Bonjour à tous et bienvenue sur CB Math. Bac S, Nouvelle-Calédonie, session 2017. Exercice 1. Sophia souhaite se rendre au cinéma. Elle peut y aller à vélo ou en bus. Partie C en jouant au dé. Sophia hésite entre le bus et le vélo. Elle décide de lancer un dé équilibré à 6 faces. Si elle obtient 1 ou 2, elle prend le bus. Sinon, elle prend son vélo. On note B, l'événement Sophia prend le bus. V, l'événement Sophia prend son vélo. C, l'événement Sophia met entre 12 et 14 minutes pour se rendre au cinéma. Question 1. Démontrer que la probabilité arrondie à 10-2 que Sophia mette entre 12 et 14 minutes est de 0,40. Question 2. Sachant que Sophia a mis entre 12 et 14 minutes pour se rendre au cinéma, quelle est la probabilité, arrondie à 10-2, qu'elle ait emprunté le bus? Exercice 1, partie C. Donc là, nous avons des probabilités conditionnelles. Donc on lance un dé. Si on obtient 1 ou 2, on prend le bus. Sinon, on prend le vélo. Alors, B, événement, Sophia prend le bus. V, événement, Sophia prend le vélo. Et C, on arrive entre 12 et 14 minutes au cinéma. Donc ici, on va pouvoir faire un arbre de probabilité. Et C, C bar, C, C bar. Alors, les probabilités. Elle obtient 1 ou 2, donc dans un dé à 6 faces. Donc, elle prend le bus. Donc, 2 sixièmes, donc 1 tiers. Et si V, c'est 2 tiers. Alors, probabilité d'arriver en bus entre 12 et 14 minutes. On avait dit que c'était 2 tiers. 1 tiers. Et là, probabilité d'arriver entre 12 et 14 minutes. On avait dit que c'était 0,409. Donc ici, il faut revoir la partie B. Et donc, 0,0591. Donc, déterminer la probabilité que Sophia mette entre 12 et 14 minutes. Et de C. Formule des probabilités totales. P2B fois P2C sachant B plus P2V fois P2V, P2C sachant V. Donc ici P2B, 1 tiers, fois 2 tiers, plus 2 tiers, fois P2C sachant V, si 0,409. Ça, on peut mettre sur la calculatrice. 1 tiers fois 2 tiers plus 2 tiers fois 0,409, on obtient 0,494. Donc 0 près 0,49. Alors, sachant que Sophia a mis entre 12 et 14 minutes pour se rendre au cinéma, quelle probabilité qu'elle ait emprunté le bus? Donc ici, on va calculer probabilité de B sachant C. Donc ça, c'est P de B et C divisé par P de C. P de C, on avait calculé, c'est 0,49. P de B et C, c'est P de B, P de C sachant B. Donc ici, 1 tiers fois 2 tiers. Ici, 1 tiers fois 2 tiers. Divisé par 0,49. Et ça, ça nous donne 1 tiers fois 2 tiers. Divisé par 0,49, on trouve 0,45. Donc la probabilité d'avoir emprunté le bus sachant qu'on a mis entre 12 et 14 minutes, elle est de 0,45.